L'accès à l'eau potable est l'une des principales problématiques de la République démocratique du Congo. La moitié de la population en est dépourvue et pour ceux qui en sont bénéficiaires, l'accès à l'eau potable reste limité à certaines heures de la journée. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. Sur ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est traversée par le fleuve Congo, deuxième cours d'eau le plus long d'Afrique, après le Nil. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Le bassin du fleuve Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, est irrigué par ce cours d'eau long de 4700 km. Le traitement des eaux du fleuve Congo pourrait donc également convenir à abreuver les populations. Le fleuve Congo est parmi les plus grands fleuves d'Afrique. Et en cela, il y a lieu de prendre cette eau, de la traiter, de la transporter plus tard, de la distribuer et puis de la commercialiser. Voilà qui peut être une solution, mais à condition qu'il y ait une volonté et un courage des dirigeants politiques. La restriction d'accès à l'eau potable et le manque d'assainissement de l'eau sont devenus un problème de santé publique. L'inaccessibilité à l'eau potable représente la principale cause de maladies comme la diarrhée, qui est la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo.